De tout temps, de la naissance à l'arbre, à la mort, les hommes ont noué avec l'arbre des essences et mystérieuses relations. L'arbre, source d'inspiration de Daniel Convenant. Une passion de la peinture de toujours devenue vitale. En 1993, un accident vasculaire cérébral paralyse entièrement tout le côté droit de son corps. La peinture l'aide alors à s'exprimer. Donc je suis entré dans le tronc de l'arbre. Pourquoi le tronc ? Tout simplement parce que c'est le trait d'union entre les racines, c'est-à-dire les ombres, où j'étais, et le feuillage vers la lumière où j'espère arriver. C'était pour moi à prouver aux autres que malgré mon échec, c'est comme un arbre, j'étais pas mort. Des heures de peinture, le jour, la nuit, sans cesse. Après 24 ans de pratique, un passage par les Beaux-Arts, par Pont-Aven, il revient dans les Yvelines. Il y a 10 ans, il se met à peindre avec du bitume. J'ai fait un essai et je me suis rendu compte que c'était rapide. J'étais touché par la profondeur du noir, très, très chaud, très profond. Le bitume, c'est peut-être aussi la notion du temps aussi, parce que le bitume, ça vient du pétrole, et le pétrole lui-même, ça vient des végétaux, hein, des arbres et tout ça. Donc c'est un retour à la naissance. Une renaissance qu'il présente assez vite. Un premier tableau exposé à Paris, une soixantaine à Guyancourt. Une vingtaine d'années plus tôt, ses œuvres sont tout autres. Celle-ci, il y a quand même une maîtrise un petit peu. Et ça date de un an après. Voilà. Ça représente ma main. Parce que vous étiez droitier? Oui. Et c'est la main droite. C'est symbolique, bien sûr. C'est une main nouée, parce que j'étais parisien. Par contre, il y a des ressorts. C'est-à-dire il y a encore des ressorts dans la tête. Le figuratif et la peinture à l'huile sont ses premières amours, jusqu'à sa découverte de Fabienne Verdier, une artiste abstraite, dont la spiritualité fait écho à celle de Daniel Convenant. Des croyances, des espoirs, des rêves. Le fait important, c'est le premier geste sur la toile. Parce que ça vient de moi-même. Ce n'est pas comme figuratif où on fait quelque chose qu'on voit, mais ça vient des tripes.